Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool, Mike, et dans cette vidéo, je vais vous dire la liste complète de l'événement Opération Chute de Neige de Fortnite saison 5. Donc dans cet événement, vous allez pouvoir débloquer deux skins que je vous affiche à l'écran. Donc il y a un skin Bonhomme de Neige et il y a un skin féminin qui s'appelle Frost Squad en anglais. Donc pour débloquer ces deux skins et blinder d'XP, il va falloir réaliser plusieurs défis. Alors le premier défi est d'accomplir des quêtes de niveau épique. Et apparemment, vous devrez en réaliser 73. Donc pour ce défi, par contre, ça donne pas d'XP, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça donnera. Alors le deuxième défi est de visiter plusieurs avant-postes de Négionnaire. Donc là, ça vous donnera 10 000 XP. Le troisième défi est d'infliger des dégâts avec une carabine à levier. Il faudra infliger 100 de dégâts pour gagner 10 000 XP. Le prochain défi est d'accomplir des quêtes d'opération Chute de Neige. Là, il faudra accomplir 9 quêtes des défis que je suis en train de vous citer pour débloquer le personnage Bonhomme de Neige. Le prochain défi est d'accomplir des quêtes d'opération de Chute de Neige. Mais là, vous allez devoir en accomplir 12 pour débloquer le skin féminin. Le prochain défi est de danser près de différents sapins de Noël. Il faudra danser devant 5 sapins de Noël pour débloquer 10 000 XP. Bien entendu, tous les défis que vous aurez besoin d'aide, je les ferai en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le prochain défi est de fouiller des coffres aux avant-postes de Négionnaire. Vous allez devoir fouiller 5 coffres pour débloquer 10 000 XP. Ensuite, il faudra finir dans le top 10 en section avec des amis. Il faudra faire 3 top 10 pour débloquer 20 000 XP. Ensuite, il faudra détruire des statues de casse-noisette. Il faudra détruire 5 statues pour débloquer 10 000 XP. Ensuite, il faudra parcourir 5000 mètres dans un X4 Aquilon. Donc, c'est un avion. Donc, les avions seront de retour pendant l'événement de Noël. Et là, vous allez devoir parcourir 5000 mètres pour débloquer 10 000 XP. Ensuite, il faudra abattre des structures adverses avec un avion X4 Aquilon. Il faudra détruire 10 structures adverses pour débloquer 20 000 XP. Ensuite, il faudra collecter des lingots d'or. Il faudra en collecter 100 pour débloquer 10 000 XP. Il faudra aussi attraper un poisson neige. Donc, c'est un nouveau poisson qui apparaîtra dans Fortnite. Je ne sais pas s'il est déjà disponible, mais c'est possible. Et je pense même que ce poisson est le 40e de la collection des poissons. Donc, c'est le dernier poisson qui nous manque. Et il faudra au moins l'attraper une fois pour compléter la collection et pour en même temps débloquer 10 000 XP. Le prochain défi est de réanimer un joueur dans plusieurs parties. Vous allez devoir réanimer un joueur dans 3 parties différentes pour débloquer 20 000 XP. Le prochain défi est de se cacher dans un Négionnaire furtif dans plusieurs parties. Donc c'est des bonhommes de neige qui apparaîtront sur la map de Fortnite. Et bien entendu, on pourra se cacher dedans et même les casser pour réaliser les défis. Là, vous allez devoir vous cacher dans 3 bonhommes de neige pour débloquer les 10 000 XP. Ensuite, il faudra jouer en duo ou en section avec des amis. Il faudra faire 5 parties en duo ou en section pour débloquer 20 000 XP. Il faudra aussi raviver un feu de camp, donc il faudra raviver 2 feux de camp pour débloquer 10 000 XP. Ensuite, il faudra infliger des dégâts aux avant-postes de Négionnaire. Il faudra infliger 250 points de dégâts aux avant-postes de Négionnaire pour débloquer 10 000 XP. Et le dernier défi est d'utiliser une grenade gelante pour congeler les pieds des adversaires. Il faudra congeler 10 pieds d'adversaires avec une grenade gelante pour débloquer 20 000 XP. Donc voilà, ces défis ne sont pas encore disponibles, mais dès qu'ils seront disponibles, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube. Et voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.